C'est avec un pile plaisir nous comptons rejoindre. Pour nous continuer à faire promotion connaissance utile dans le pays, ça, dans l'idée pour nous permettre que la démocratie arrive pour journée tout bon vrai et permettre tout que l'État de droit que tout le monde a cherché pour que le pays soit capable de fonctionner et monter tout le monde sur le rail développement, et bien arriver atterri dans le pays. Nous allons parler d'une cause sérieuse, une cause qui est capable d'interpeller tout le monde dans le pays. C'est la question de la famille. La famille comme entité, nous sommes capables de dire de base dans toute société. En Haïti, je vous dis, nous connaissons les familles en proie avec un bon problème. Et vous parlez même de familles qui disloquées, qui baillent naissance à un ensemble de problèmes de jeunesse que nous gagnons dans le pays. Pour nous faire ça, j'en ai toujours fait chaque soir. Et bien, nous gagnons deux spécialistes qui accompagnent. Je vous invite à découvrir tout de suite. Haïti 360, c'est l'émission ça, on va suivre dans le moment ça, sur Télévision Nationale d'Haïti, et nous allons parler de la famille. Je nous dis, on a fait promotion connaissance utile, et on a participé tout dans la construction, ça nous a réglé l'histoire dans le pays. Si nous construisons l'histoire, il faut que nous clair tout que l'histoire influence la vie de nous dans la société. C'est dans ce sens ça, comme on a parlé de société, unité de base société, la famille, nous allons gagner pour nous étaler autour de lui dans l'émission ça, à travers le thème nous, qui nous devons construire famille pour nous permettre que si nous avons un bon demain. Donc, son thématique qui est assez large, mais nous avons avec nous deux gros spécialistes dans le domaine qui pourraient permettre que nous ayons piqué plus lumière arrivée joint nous et pour nous qui gens pour nous construire famille, parce que tout le monde qui a vivant dans la société est appelé pour même pour participer ou bien pour construire famille par si ou même ou pas membre déjà de l'autre famille. Donc, à partir de là, ou concerné par rapport avec thématique ça pour le traiter à soi, et pour nous faire ça, puis bien. Et nous comprendre qui sont doués faits ou même comme personnalité en dans espace social là. Nous avons avec nous, et tout d'abord, Madame Nora Amilcar Jean-François, une personnalité qui passe des présentations, qui est juge dans la cour d'appel, juge pour enfants, mais tout son professeur de droit pénal des mineurs. Moi-même, je parle à la serviteur, c'était une moune qui était suivi Couli au niveau de la faculté de droit et d'assistance économique de Port-au-Prince. Donc, son monde qui investit dans la construction plusieurs générations de jeunes haïtiens. Donc, il va gagner pour des graines celles pâle en débat. Et pour nous faire débat, arriver plus loin toujours, nous avons avec nous M. Valérie Vitalerne, qui c'est un conseiller conjugal, lui-même qui côtoie les familles, surtout les familles qui ont traversé moments et nous capables de tribulation pour protéger la conciliation et aider aux joindre bon chemin. En bien, il va expliquer nos expériences avec famille, qui j'ai participé dans la construction famille, permettre que famille ait été soudée. Et pour nous faire ça, tout de suite, nous allons entrer dans la thématique là. Avec une définition qui est claire, en Haïti, bonjour, la loi définit la famille. Et c'est avec définition ça nous va commencer, parce que quelque part, il faut que nous regardions est-ce que définition ça kembe toujours, est-ce qu'elle permet justement que, en un espace social, là, nous fonctionner comme ça doit, à travers ça nous relève famille comme institution. Famille, c'est papa, maman avec petite, d'après ça, la loi haïtienne dit. Madame Nora Amilcar Jean-François, est-ce que journée aujourd'hui, définition ça, capable qui est bien toujours pour nous décrire l'institution ça que nous relais la famille? Eh bien, nous avons défini la famille et plutôt comme un groupe de monde qui collent ensemble, soit par mariage ou bien par sang, par lien de sang. Et tant que pas de petite, on ne peut pas parler de famille, on ne peut pas parler de couple. Mais c'est là si le monde commence à entrer là, il vient une famille. C'est-à-dire que sans parler là, son famille foyer, mais famille a une évolution. L'évolution de la famille, avant c'était une famille souche, premier lignage. Et puis au fur et à mesure, famille souche là a évolué pour venir plutôt la famille et les familles, sans parler père, mère et enfant. Et Domus, famille foyer, pour là qui vient papa, maman, petite. Mais dans la même évolution, ça, par contre, on permet de continuer. Continue. Dans la même évolution, ça, on vient voir que la liberté individuelle vient d'entrer là-dedans. Longtemps, c'est une question de puissance paternelle. Comme si papa, c'était lui-même qui était chef de famille, ça. Mais quand la liberté individuelle commence à avancer, les villes, famille, ville, comme pas de bagages comme ça. Et la KNOE, ouais, en 1982, vient gagner plutôt l'exercice de l'autorité parentale. Puissance paternelle, là, ce bagage qui n'est pas la KNOE encore. Et famille tellement
vin gen liberté, la bénédiction. Pour vivre tout dans des moments, c'est un seul grand monde qui vient de famille. Il vient de famille monoparentale. Comme si pas facile, papa qui vit avec petite lit, parfois le plus souvent c'est maman qui vit avec un petit bout. Donc c'est réalité, pas nous en ça pour le moment. Et réalité ça, parfois il y a un bon côté, mais le plus souvent il y a un mauvais côté. Alors, nous allons continuer à vous tout à l'heure parce que nous n'avons pas de puissance parentale là, je vous dis, là on a une puissance paternelle, j'aime bien dire dans la famille. Autorité parentale. Il chargé avec une bonne familiarité de signification, non seulement sociologique, mais également tout, je vous dis, en termes de liberté individuelle, que nous avons pour nous venir sur lui, parce que le côté juridique là est extrêmement prononcé en dans la définition ça. Valérie Vidaléon, définition, et maman, papa, petite, c'est ça qui fait famille. Bon côté par où, je vous dis, à qui gens ou garder famille par rapport avec l'architecture ça. Pendant que je tape des juges, Nora, moi je tape souris parce que la réalité, surtout dans le contexte haïtien, est extrêmement fragile. Lorsqu'on lit ouvrage de psychologie ou de sociologie dans le pays de l'Amérique du Nord, mais en Europe, réalité, maman, papa, petite, là, est fort. Mais en fait, lorsqu'on analyse l'histoire du pays d'Haïti, il n'est pas aussi fort que dans le pays ça. Côté que famille monoparentale, là, on ne pas dit que c'est la règle, mais nous avons des pères absents en pile fois. Il y a des pères absents, il y a des pères absents présents. Ça, ça veut dire. En pile papa absent. Il y a papa a quitté, là, il vit dans l'autre caille. Il est capable de papa 3-4 petits mounes de 3-4 mamans, il choisit un monde pour être avec lui. Et réalité ça très présente et ceci dans milieu urbain et dans milieu rural, mais également gagner un fort pourcentage de père présent absent. Ça veut dire qui ça? Papa li là physiquement, mais en fait rôle que tu as supposé jouer en dans famille, qu'on parle de puissance paternelle ou bien qu'on parle de puissance parentale, en fait en pile fois son puissance monoparentale. Côté que éducation timonio li fait presque exclusivement par les mères et papa présent absent à yo yo du moi-même moi là pour deux bagages m'bay manger m'bay bâton mais et ça s'arrête là et c'est papa qui l'a yo. Mais en fait malheureusement en pile père absent c'est pas pour nous faire m'ta capable di jugement papa yo, mais malheureusement société ça que n'a vivre là li pas généré de père en pile fois qui décide pour yo présent et pour yo responsable. Donc en résumé, famille haïtienne n'a définitivement qu'on y a lié miété. Je suis certain que nous allons parler de exode rural en pile. Nous allons parler également de urbanisation parce que IHSI parlait sous ça. Sous cause qui influe justement exactement sur la dislocation familiale. Donc, une grande dislocation dans la famille. Juge Nora, avancer un point qui est extrêmement important dans l'intervention que vous avez fait à l'EA. Quand elle a parlé tout à l'EA de Sandarelli, puissance paternelle, elle a parlé tout de question mariage. Mais entre la question mariage d'abord, on a tourné sur puissance paternelle là après. Je ne dis pas, et depuis l'année 70, par exemple, il y a des études qui sont faites en France qui montrent que le mariage n'est pas forcément ce sur lequel nous sommes capables de fonder famille. Je ne dis pas, c'est un petit milieu qui n'a pas de point central qui permet que nous constituer famille. Je dis parce que le mariage est tellement fragile, tellement grand que le monde a divorcé, nous venons de nous rendre compte que le petit monde, c'est une entité qui puisse pérenniser les relations. En Haïti, qui gens nous vivent ça nous-mêmes? En Haïti, nous avons un problème qui est grave parce que c'est vrai, le code civil noir est inspiré, ça c'est peu, le code d'Napoléon. Mais lorsqu'on est en société qui gagne environ 80% de monde là-dedans qui est placé, qui vit en union libre, et pour après, toute famille, on a, je vais parler là, il y a accès plutôt sous mariage, presque. Mais il y a un effort qui est fait. C'est fort ça, et pas seulement en Haïti, il a commencé, c'est dans le monde. Vers les années 1950, ou après en fin 1950, l'an 59, François Duvalier prend un décret pour dire que tout le monde est naturel, que l'illégitime a les mêmes droits. La filiation naturelle engendre les mêmes droits et les mêmes prérogatives que la filiation légitime. Et pour après, il y a un paquet de bonnes. Si évolution qui fait dans le droit nous. Je parle en pile, adoption vient introduite dans le pays, tout ce qu'on est. L'adoption entre dans la question famille en tout. Vient gagner pas mal d'autres, vient gagner pas trop longtemps, décret
qui crée pension alimentaire et garde d'enfants. Bien que chaque année, il y a une faille. Mais pendant sur la question d'adoption et filiation, permettez que je m'introduise question ça. Je voulais vous dire qui j'aime qu'à penser de mon parent, qui ça vous parle. Ça me dit parent. Ah ben, parentalité, c'est-à-dire que l'offre fait un petit monde, ou gagner, c'est vous-même, constitution pays à bail, droit, pour faire comme si pour balle protection, pour faire toute bagaille pour lui. Parce que sinon, allez, dans la constitution là, quand nous, puis t'as ça bouger tout ça que t'as avant, c'est les articles 259 à 262. De la Constitution, qui traite la question famille. J'habite ça consacré à la famille. Et la Constitution a dit, c'est famille qui a protection d'abord tout le monde. La famille. Comme si la protection en Haïti est d'abord familiale. Ensuite, judiciaire. Après, administrative. Nous parlons de familiale parce que l'État protège la famille, base fondamentale de toute société. Ça, c'est une base société. Il dit l'État a le droit, comme si ben, tout monde, toute famille a égale protection. Que son famille qui était constituée dans le mariage ou pas. Mais là, l'épiphone en 261, il dit tout enfant a droit à l'amour, à la compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère. Constitution presque douce, ou pas qu'à garder petite, pas fait petite. Mais c'est ça le jour. Ouais. Est-ce oui. que les géniteurs. Yeah. C'est eux-mêmes qui obligent les parents. Eh bien, il faut être parent. Parce que la Constitution, il en est de même de convention ratifiée. Là, elle dit tout enfant a droit à l'amour, à la compréhension, aux soins moraux et maternels de son père, matériel de son père et de sa mère. Non seulement il faut avoir affection, il faut avoir éducation, il faut avoir l'autre soin, il faut avoir tout bagage matériel. Parentalité à constitution mando, faut assumer puisque c'est au même qui est protection. Toute mesure c'est pour prendre pour protéger petit tout. C'est seulement l'on pas capable. L'on pas capable, le sale l'état vient. 262 ans, il dit faut que l'état élabore un code de la famille. Faut le bailler un code de la famille et en dans le code de la famille ça, tous outils protection de la famille haïtienne. Protection de tout le monde doit entrer en dans le code de la famille. Votre famille, ça existe? Il n'y a pas que j'aime faire. Depuis la Constitution, quand il y avait cette code, il préfère chercher tout théâtre. Il a cherché pour faire le code de l'enfant. Et sinon, garder sacrifié Saint-Domingue. Saint-Domingue, il fait le code de l'enfant. Et là où il a besoin de faire le code de la famille, il n'est pas capable. Alors, permettez que nous enchaînions avec Valérie Vidalère, nous posons une question ça. Nora Amilcar, Jean-François, tu as parlé tout à l'heure de parenté, il dit père avec mère là, tu as supposé parent. Mais je ne dis à travers le monde, être parent, pas forcément être géniteur. Oui. Qui gens ou même dans le cadre consultation qu'on a dans différentes familles ou aborder une question ça. Moi, je pense que c'est une question extrêmement importante parce que vous êtes capable de garder du point de vue juridique, mais moi, je vais garder au niveau sociologique et psychologique. Oui. Pour qui ça? Parce que l'étape mieux pour former les gens qui veulent parents pour devenir parents. Parce que si les gens ont besoin d'attachement émotionnel ça, pour être capable de grandir, pour être capable de stable, pour être capable de venir demain, ils ont adultes, ils sont capables de dire qui bien équilibré. Même Jean-Jules Jansot dit, hein, si les gens ne sont pas capables de parents, ou ils sont capables peut-être de faire en adoption et autres, mais. Psychologie montrait que en pile fois Timoun ça le découvrir moun ça qui élevé là, il pas véritable maman, il pas véritable papa, une première question le poser dit pour ça je t'aime. Et ça qu'on cause des troubles la caille moun ça qui t'a supposé un adulte lui-même qui est responsable. Donc moi crois que il d'une extrême importance pour que Timoun ça t'a élevé dans un milieu côté que moun ça qui par un géniteur là, parce que gain par un géniteur et gain par un nourricier, mais pour par un géniteur là, t'as véritablement par un nourricier, c'est-à-dire moun sa kap bal soin physique mais tout kap bal soin affectif et kap permettre que ti moun sa li vinyon adulte responsable pour le capable vinyon parent responsable parce que psychologie montre que lorsque gagnon moun qui li même gon déséquilibre psychologique malheureusement li kon aller de génération en génération donc li même mariage pal déséquilibré li vin gen impact sur petite pal qui gen un mariage déséquilibré et qui gon mariage déséquilibré li vin en chaîne donc meilleur bagage là c'est pas tout simplement esquiver pour nous dire ok tellement
famille yo a disloqué, vaut mieux timoun ça ou rediriger vers une famille qui est beaucoup plus stable, ou placer dans l'autre famille et le ça ou capable bay timoun ça plus chance. Bon, pour qui ça nous pas travail plutôt pour renforcer famille ça yo qui ont même bien problème. Et même le juge a dit tout à l'heure, on dirait que la Constitution dit sous pas parent plutôt parfait. Oui, plutôt parfait. Alors, juge a parlé sous un bon point qui est fondamental. Là, il a parlé d'ailleurs de puissance paternelle. Avant de retourner à la question de puissance paternelle, là, il a parlé de ça et droits fondamentaux, l'évolution qui vient là-dedans, la liberté individuelle qui vient faire que nous passons de puissance paternelle à puissance parentale. Puissance parentale, là, tout quelque part, légitimé, il y a une question de débat dans la société, là, c'est la question de l'homosexualité. Nous connaissons des couples homosexuels qui ont même tout gagné garde. Est-ce que par là, par rapport avec une innovation, ça qui est dans la question et familiale, et nous allons aller vers ça tout. Bon, l'important pour garder la société dans l'évolution et pour garder la société dans la manière que les comprennent et les définit causé par an. Dans le contexte pays d'Haïti, l'idée ça a poussé en pile. Mais dans la réalité des faits, les voix qui poussent cette question d'homosexualité, il n'y a pas en pile dans la société. Est-ce que c'est pour un aménagement qui doit mener, qui peut mener nous vers ça? On ne peut pas nécessairement dire que l'IPRAL mène nous vers ça, parce que la société est fondamentalement assez traditionnelle et liée au-delà du religieux. Mm-hmm. Nous, Haïtiens, nous sommes très capables de dire liés avec ça, nous les familles traditionnelles, maman, papa, petite. Et la grande question qu'on doit se poser, lorsque un couple homosexuel reçoit un enfant, et sociologie montre que définition que Timoun n'a gagné par rapport à propre tête parle comme garçon, mais comme fille, il y a avec Mounsao qui parle. Est-ce que Kounia nous capable de garantir que deux garçons gagnent deux mamans, li sept pour lui pour qu'il soit capable de comprendre? Parce que cette définition du genre n'est pas uniquement physique, mais les sociologiques tout. C'est-à-dire que dans l'environnement que l'a vivant, il définit comme ça. Donc, comment on peut le garantir élément ça, élément du genre, le développement du genre en dans yon foyer homosexuel? Alors, juge Dora, vous tendez approche, je vais aller vite à l'air, parce que nous n'avons pas l'air de ça, nous avons l'évolution en dans la liberté fondamentale. Yo. Est-ce que quelque part, il n'a pas même passé de puissance paternelle à puissance parentale, c'est pour un aménagement, justement, par rapport avec droit minorité, yo, pour permettre que vous soyez capable d'adopter Timoun. Et quoi droit d'évoluer selon besoin société. Mm-hmm. C'est droit les actions, les mouvements, il est vrai là quand nous n'avons pas trop légiféré, mais c'est besoin société suivant l'état des mœurs, bien nous dire. En Haïti, pas quoi c'est ça et l'aide sortie de puissance paternelle pour nous entrer dans l'exercice de l'autorité parentale là, ça pas veut dire ça. Non pas qu'on est avec l'évolution des mœurs, si ça arrive en l'heure. Mais pour le moment, pas aucune provision légale en Haïti qui permette ça. On va adopter, on dit son couple hétérosexuel. Mm-hmm. Comme si c'est un papa avec une maman qui a adopté. On permet à monde qui est célibataire d'adopter tout. Mais c'est pas. Nous pouvons arriver là. Comme tout ça. Pourquoi gagner ça en Haïti? Parce que pas gagner une provision légale pour ça. Haïti 360, c'est l'émission ça, on va suivre dans le moment ça. Je nous dis, on a fait promotion connaissance utile et nous avons participé tout dans la construction de l'histoire. Parce que l'histoire a influencé la vie de monde et monde tout participer dans la construction de l'histoire. Nous allons suivre une séquence pour nous là, en l'émission pour là. Après, nous allons retourner dans la deuxième partie pour nous faire des balles plus loin sur la question famille et qui gens dislocation familiale influencé Timounio et poussé au vers Sandarelli dès les camps juvéniles. En suivant cette séquence, n'a pas tourné. En Haïti, journée aujourd'hui, divorce représenté un gros problème social. Il vient courant pour un couple après un mois mariage, crasé quitter ça. À côté l'autre décision judiciaire qui affiché dans le décanat tribunal, cas divorce parmi ça qui plus. D'après chiffres qui disponibles, responsable tribunal, première instance Port-au-Prince, fait qu'on est, il y a une vingtaine de cas divorce chaque jour pour plusieurs raisons. Il y a un taux de divorce qui est très, très, très avancé. Souvent, il y a un peu de cas d'infidélité qui aiguisait orgueil, colère, monsieur ou bien madame, non, en d'un couple. Et lorsqu'il n'y a pas de confiance, les interprétations sont souvent de fois négatives. Et interprétation négative, il y a aiguisé jalousie. Et jalousie est une cause
de divorce. Les problèmes économiques également peuvent provoquer le divorce. Il y a une cause, moi-même, pas à vous répéter. C'est ça qui est toujours écrit dans le journal pour incompatibilité de caractère. Divorce là, souvent, il y a des conséquences sur la vie ensemble, monde qui forme couple là et puis concerné dans la relation. Délinquance, la caille, monde, maladie dans la tête, parmi en pile l'autre conséquence, divorce capoté, d'après certains spécialistes. On a des problèmes de santé majeure du côté psychologique. Si divorce, ça, c'est pas un divorce à l'amiable, parce qu'un divorce, c'est toujours une destruction, c'est un naufrage. Des problèmes de santé, physique, tout. Il y a des gens qui ont divorce qui fait vivre dans la vie que de désorienter totalement. C'est pas dans le pays d'Haïti seulement, question divorce là, a valé terrain. Dans le pays tant que les États-Unis, la France et le Canada, étudiant révélé 50% couple marié ou séparé. Il y a une situation qui gagne en pile conséquence sur la société yo, et puis si posé, servi un sujet étude. Haïti 360, qui j'en pour nous reconstruire famille pour nous permettre que Timounio gompi bon demain. Cette thématique ça, on a traité pour Asoya et comme invité nous gagnons Nora Amilcar Jean-François qui est juge au niveau de cour d'appel, même juge pour enfant tout. Et Jean-Noël Abdou, il a commencé l'émission, c'est un ancien professeur de droit pénal des mineurs au niveau de la faculté de droit et des sciences économiques d'Haïti. Donc, une personnalité qui participe à la construction plusieurs générations d'Haïtiens sans que nous parlions vieillis, madame Amilcar Jean-François. Et nous gagnons avec nous sur le plateau et Valérie Vitalian qui est un conseiller conjugal, lui-même qui a porté Grenzel Palton dans le débat par rapport avec l'expérience que le fait avec famille haïtienne. Et bien, là, expliquez-nous qui gens et mouvement y en dans famille et qui gens si moun yo victime de dislocation famille. Madame Jean-François, et l'autre élément qui est extrêmement important et nous sommes là, c'est la question du divorce. Ouais. Divorce a des effets sérieux sur l'avenir de moun yo et sur le comportement de moun yo en dans la société. Ouais. Je dis par rapport avec son vivre dans le tribunal, yo, et qui premier cause divorce que vous-même ou vivre dans le tribunal, ça plus fréquent dans le cas comme ça. Et puis, en termes d'impact sur les gens qui issus de sa famille, qui sont disloqués dans l'état ça, et bien qui ça, si les gens qui ont comme je suis capable de dire, et troubles comme délinquance. Ah ben, c'est depuis l'année 80, nous suivons donc que l'affaire divorce en nette progression. Il a dépassé toute l'autre affaire dans le tribunal. Là. Moi, j'ai eu l'occasion de siéger dans le divorce pendant des années. Et de remarquer ça, grand pile cas le plus souvent, c'est des futilités, incompatibilité. Ah, jalousie là. Oui, incompatibilité de caractère, et injure grave et public. Donc, le plus souvent, c'est ça qui vient comme cause de divorce. Mais en bas cause, ça, il y a toujours l'autre cause. Mais je veux dire, c'est Timounio qui fait frère, qui fait les frères parce que il n'a pas vivre Jean, M. Vital et Zodjolan. Il n'y a pas vivre avec deux parents. Et parfois, il vient des troubles. Des troubles qui poursuivent tout le reste. Et au même temps, ils sont mariés. Ils n'ont pas vu qu'ils vont arrêter dans le mariage. Ça, tout, parce qu'ils n'ont pas de modèle. Nous vivons dans un pays, dans une société, que le modèle, il faut construire. Comme si nous avons un modèle longtemps, qu'on est là, nous venons manquer modèle. Et pour Timounio, parce que si on papa alcoolique, on papa apprend drogue, mais si mon n'a ce modèle, ça le gagne. Et l'arrivée la bat maman, ça mène un divorce. Parfois le plus souvent, c'est bâton, quel que soit le niveau mon dans la société, l'apprend. Et puis ça va pas qu'à qu'il divorce à faire. Pratiquement, meurs parents, c'est des héritages pour Timounio. C'est ça. Et puis Timounio, ça lui-même, il va le reproduire, ça le déjeune. Donc c'est ça que fait société noire marcher comme ça. Bien sûr, il y a une autre cause. Ce n'est pas divorce seulement. Mais divorce, on dirait que vous mariez pour divorcer. Mais ce n'est pas en Haïti seulement. Question de divorce, ça, l'image à ce banon là, c'est surtout Port-au-Prince. Mais dans la région, il n'y a pas grand pile de divorce, même à Port-au-Prince. Okay. Par exemple, il divorce comme ça. À un certain moment, vous êtes qu'on a dans quelques tribunaux de province, vous n'avez pas un seul cas de divorce. Est-ce que ça t'avait dit pour tout ton année. Est-ce que ça t'avait dit tant qu'on approche de la modernité, donc on ne divorce plus. C'est ça. C'est toujours dans gros métropole, dans le pays occidental, c'est où je vois mon divorce en pile. Même j'entends Haïti, Port-au-Prince, sa capitale, c'est là où je vois plus de monde qui divorce. Mais dans la région, il y a un divorce tout, mais pas grand pile de divorce comme ça. Le plus souvent, on quitte, oui. Mais il n'y a pas le divorce. Alors, Valérie Vitalian, il y a un monde qui souffre plus de questions de divorce, c'est Timounio. Oui. En termes de délinquance par rapport avec comportement déviant,
qui sont plus ou constatés en dans famille par rapport avec Tibou même qui victime de dislocation famille. Bon, il y a deux éléments majeurs ou après en pile la, deux ou trois éléments majeurs ou après la en pile Tibou. Il y en a dans c'est la violence. Okay. Et en agressivité. Pour qui ça? Parce que Tibou non en pile fois par contre comment pour le traduire souffrance ça que le gagnant il vient agressif par rapport à Tifel Tichel ou même par rapport à l'école li. Et c'est ça que fait parfois professeur l'école qu'on relaie par eux pour dire ça qui a passé Timoun, ça qui a passé dans Kaelan parce que en octobre il était très bien et puis mais en avril là la kounya nous pas qu'à contrôler ça c'est une deuxièmement qu'on est en pile dépression parfois Timoun yo yo qu'on arrive à un point yo tellement dépressif gain qui qu'on mette fin à la vie yo. Donc la violence et gagner dépression troisième bagaille tout qui qu'on rivé Timoun yo et là il pas nécessairement comportement violent mais dans espace scolaire là note yo qu'on diminuer énormément mais ça qu'on vient rivé tout violence elle qu'on pas seulement souffrir sous ça il qu'on sous le monde ça vient adolescent mais adolescente la vie sexuelle la vie mariage moun ça il vient dégrader énormément et il qu'on créer certaines méfiances et puis il dit bon si deux moun ça avec terrain mais en pile la vie écrasée moi même camarade avec moi même pas j'en fais mon ça confiance donc une bonne méfiance donc ça c'est ça qui vient arriver mon ça côté que à cause mauvais la vie que le tes parents la vivent lui même personnellement lui vient gagner en pile problème et ça qu'on arrive certaines jeunes filles c'est que mon ça a senti qui t'a doué modèle d'homme qui est capable que t'a doué gagner qui c'est papa yo et yo qui ça passé en dans contexte familial mais jeunes filles ça yo qu'on passe de relation en relation. Il y a un premier garçon, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième. L'Ochita avec Mounsa, ou pensez son femme de mauvaise vie, distance pour Chita avec lui pour commencer à poser la question sur enfance li, et puis il tombe crier. C'est le ça pour venir faire la paix avec propre tête par rapport avec parents li, kounya pour rentrer dans le processus de guérison pour réaliser que tout garçon pas nécessairement papa. Et kounya pour capable vivre une vie qui beaucoup mieux. Si monsieur yo même tout, yo kon vini yon un comportement que yo capable gagner, c'est que yo vini violent par rapport avec une femme. Très bien. Ou bien yo vivent une vie d'infidélité constante. Donc divorce a des impacts énormes sur la vie Timoun yo et chaque fois on a parlé de Timoun, on pas seulement chita pour regarder Timoun, on fait une projection rapide dans le temps après 20 ans. Mais parce que Timoun ça entre guillemets qui innocent là dans 20 ans par contre qui ça pral vini qui réaction que le pral baou comme adulte. Donc seulement ça quoi mettez là, il pral bougeonner rapidement et m'engager du 20 ans passé là. Alors permettez-moi enchaîner avec une autre question qui va le toucher parce que y a un problème là. Et bon citation moi en pile qui dit que famille pas fait société mais société fait famille. Est-ce que ça t'avait dit quelque part influence société à la société à lui-même bouleversement qui l'a donné traverser famille tout et c'est une cause justement qui a aggravé question et divorce là peut-être mon épiphénomène de problème société à justement dans nos périodes données et c'est ça oui mais c'est ça drôle là c'est famille qui forme société en même temps société en façon de famille c'est comme si on t'a dit qui est-ce qui vient avant la somme des familles c'est pas la société oui. est-ce que c'est pour là ou bien sûr est-ce que c'est pour là ou bien sûr mais définitivement route société en prend pas le impact sous famille ça ça l'est clair c'est ça que fait il pas unique il pas nécessaire seulement pour réfléchir à élément unique ça que c'est famille mais faut nous garder écosystème là pour nous dire quelle qualité famille que me veut générer et type de famille que me veut générer en faut mettre famille ça dans écosystème pour que le moins même moi venir comme père de famille pour me dire OK mais qui vision que société en bail concernant famille et mais qui garde fou qui gagne moi mon bagage que Martin Luther King te dit il dit que on pas empêcher mon raïm même quand empêchant moun tuem c'est-à-dire que nous pas ou capable créer un environnement pour freiner des gars parce que tout simplement gagnons gens que nous façonner société mais gon route que nous baï société pour renforcer famille yo. Alors reconstruire la famille Nora et Amin Kar Jean-François nous supposons tout gagner un projet parce que reconstruire la famille c'est pour quel type de société nous voulons construire donc si nous voulons justement une société qui développe dans 20 ans dans 30 ans il faut que nous façonnions des familles pour famille ba nous des citoyens qui mènent nous là exact c'est ça que nous avons l'autre méfait encore séparation yo. C'est parce que famille n'est pas seulement une réalité sociologique mais c'est tout une réalité économique très bien à partir du moment où il y a une séparation nous ne pas vivre ensemble il n'y a pas d'entraide familiale. Vous venez en diminuer. Oui, diminuer, pas d'entraide. Même leur grand profession, qu'il est libéral, métier, artisanal, mais les ont tout ensemble. Ils ont collé les reins, ils ont collé les bras, collé les épaules. La famille a développé.
Et si toute famille a développé, nous connaissons tout le peuple qui a développé, mais si un bon nombre de familles développées dans le pays, le pays a plus ou moins en voie de développement. Parce que de chaque monde à l'école, ou développer tête ou a développer pays ou tout. Donc, unité économique ça, réalité économique ça, dans pile séparation, nous ne pouvons pas joindre. Il y a l'autre méfait encore, parce que la famille n'est pas seulement les gens qui sont dans le mariage. Nous connaissons la famille tout, c'est les gens qui vivent dans le placage, c'est les gens tout qui la des petits qui viennent dans la domesticité, car dans l'autre famille. Nous connaissons la famille tout, son série de petits gens qui vivent chaque jour pour jouer nos petits bagages dans la rue pour vivre. Donc, les gens qui ont des familles ou bien pas des familles. Parce que ti moun ki dans domesticité c'est pire parce que c'est des ti moun ki dans puis quand dit me passer me changer de bail sur nom mais parce que yo sort non famille y a vivre dans l'autre famille et réalité ça le plus souvent l'exploitation yo pas l'école on pays moun pas l'école là-dedans pas jamais ka développer parce que l'éducation c'est pour le développement l'on a l'école ou développer tête ou développer pays ou mais l'on pas aller ou pas comme si yo tout des bon pays qui esclave pas développer et domesticité a considéré comme esclavage moderne donc m'bata quoi m'ta vinn parler de famille là pour m'bata mettre plonger droit sur monde sur pile monde ça qui vit dans domesticité qui exploité dans famille dans gede la propre famille yo la caillou mais c'est surtout dans famille a voyou à vivre dans ville yo. Alors la société Jean nous t'a dit tout à l'heure elle est constituée de famille et famille c'est premier espace de socialisation de timoun. Donc si famille n'est pas en bon état, il est évident que timoun n'est pas en bon état. Nous allons retourner avec débat parce que quand Nora Milgrand Jean-François et en France l'année dernière, c'était état généraux sur la question de la bioéthique pour redéfinir une nouvelle morale sociale. Est-ce que je viens de dire en Haïti, pas de bon réhabilitation justement des valeurs morales ou bien justement la construction d'une nouvelle morale? Parce que quelque part, nous m'avons dit que nous arrivons très loin. Je viens de dire la question de démoralisation et amoralisation de la société. C'est-à-dire que ça nous constate, c'est l'effritement des valeurs, comme si Kayan Pete Genio, comme si c'est la dérive totale. Donc, en société, mon yo pas qu'on est gagné pile mon là-dedans, pas qu'on est gagné pour y faire là-dedans, parce qu'au cas où ma qui presque toute jeune, c'est deux absolus pour aller. Donc, qui sont familles, les tout mon a parti. Donc, alors constitution l'autre famille l'autre bord, parce que il y a l'impression chaque haïtien, quelques haïtiens seulement, qui parlent question migration, c'est voyage, et les aller, ils jouent dans notre société, dans notre modèle. Par exemple, ça ou même considérer comme valeur la kawa, dans notre société, c'est pas valeur liée. Donc, faut nous voir tout mélange ça qui vient dans le pays. Donc, nous avons parlé d'exemple là. Ça, moi, me considère comme c'est des atteintes à la morale publique. Donc là, c'est commissaire gouvernement qui vous connaît comment il a géré question ça. Parce que même le nappement de l'éducation, c'est pas l'éducation, par l'éducation, on peut arriver vraiment à obtenir quelque chose. Mais éducation en tout, il y a de l'élément des sanctions. On peut éduquer le monde, mais il y a de l'effort par exemple. Parce que nous manquons modèle. Dans le pays, ça. Alors, côté moral, là, normalement, on a parlé de morale, on a parlé de reconstruction des valeurs, ou bien réhabilitation des valeurs. Ouais. Et aujourd'hui, vous parlez de sanctions, tout. Oui. Et, fondamental, pas que c'était sans sanctions, depuis qu'il y a le roi, mais il y a sanctions. Est-ce que là, et nous sommes capables de parler tout, et de manque de structure, de prise en charge, justement, et pour type de déviance, ça, on a dit que nous avons des gens qui sont beaucoup majeurs. Aujourd'hui, ça qui existait, on a parlé de jeunes. Ça qui existait comme structure de prise en charge pour redresser les jeunes et permettre une meilleure réinsertion au niveau de la société. Et moi, je me toujours dit qu'il y a une révolution pour faire dans le droit en Haïti. Et la révolution, ça, il faut commencer par les jeunes, c'est-à-dire par les jeunes, et jeunes, jeunesse en général. C'est-à-dire que faut nous venir avec des structures parce que. L'en a regardé. En Haïti, il y a une loi pour les gens qui ont commis des actes. Mais pas gagné. Parlement, pourquoi j'en vote rien pour protéger les gens qui sont en danger, qui comme si qui sont en pré-délinquance, qui peuvent arriver délinquants.
Donc, faut prendre des précautions. Par exemple, si tout le monde n'a pas l'école, s'il n'a pas des soins de santé, si c'est de prostitution la vive, ou bien de vol, etc., faut qu'il y ait des lois qui pour dire que tout le monde ça, côté de l'albabon, faut que moi-même, moi mettez le tel côté pour le vivre. Tout à l'heure, parce que je ne suis pas l'homme dit que l'article 261 de la Constitution dit que c'est pareil qui pour prendre petit en charge. Mais tout le parent pas capable. 262 a dit faut l'État intervenir. Et l'État entré dans la question, hein, c'est la justice. C'est la justice qui peut placer Timon. Par exemple, souvent loi pour protéger tout Timon en danger, les Timon ça pas l'école, faut la justice, ça faut juge des enfants. Faut venir une fonction civile pour protéger tout le monde qui pour permettre lui dire que Timon ça il faut qu'il aille à l'école. Moi-même moi exiger moi placer tel côté ou bien me voyer l'école. L'elle voyer l'école, pas l'école voyer l'école non, éducation nationale obligé balan l'école parce qu'il y a un jugement qui rentre pour l'école. Timon ça qui dans environnement malsain, faut yo ka intervenu pour yo placer au côté les pas victimes au côté la ka l'école pour demain le capable de nos citoyens. Mais malheureusement non seulement il faut voter législation ça parlement mais tout ti embryon nous gagne c'est l'administration publique là qui voulait c'est lui-même qui pour prendre part sur judiciaire là li pas quitter judiciaire là fait travail comme s'il pas quitter c'est lui-même qui pour placer c'est lui pour décider li dit li ka fait tout comme si l'administration qui veut prendre le pas sur les judiciaires ça son gros problème tout dans pays là parce qu'il faut nous ouais ça tout parce que qui est ce monde qui doit placer c'est seul la justice dans tout pays du monde nous ratifier convention yo dit nous l'homme là sorti mon côté li pas bon il faut que juge la entrée pour le bail mais lever du placement pour le placer dans l'autre côté la révision mais est-ce que l'administration a ce pouvoir non Valérie Vidaléon ou même qui approche famille qui gens ouais par rapport avec différentes familles qui prennent consultation dans mais question absence de structure de prise en charge ça yo affecter timonio et permettre que justement que délinquants juvéniles continuent grandir en dans pays son gros problème lié on aller à la base prise en charge là moi quoi que tu as supposé commencer depuis adolescence ensuite le monde ça l'a réfléchi à cause mariage parce que le problème qui gagne c'est que en pile monde ko dit que monde ça yo placé ou bien que monde ça marié est-ce que on véritablement ça veut dire vivre en couple est-ce que on ça veut dire élever timon pas gain ça OK ça c'est premier aspect Kounia, lorsque gagne problème côté que gain divorce côté que gain abandon côté que parents ça yo pas ka prendre soin timon encore koto la gueule donc moi crois que causer prise en charge non supposé fait depuis le très jeune pour moun ça réaliser lui-même mais ça veut dire deux moun k'ap vivre ensemble mais comment pour moun ça rete ensemble et qui impact ça ka gagne sou yo même le ou pas bien vivre et qui impact ça bien sou timon yo Kounia, lorsque moun ça au fin comme ça yo fait le maximum que capable pour yo bien vivre le grand problème qui vient arriver ça k'ap fait est-ce que pigo victime nan Kounia pral timon ça qui pas gagne à la fois maturité à la fois sens de responsabilité et à la fois ressources qui gagne parce que cause économique là nan question mariage là en pile fois li pas ou bien dans la vie parent nous pas mettre assez accent sur lui parce que en pile ti moun quitter ville de province pour yo vinn n'importe où mais c'est pas caché du problème ça pas diminuer parce que IHS y font projection pour dire que dans moins de 30 ans majeure partie de la population haïtienne n'li pral vivre dans les grandes villes ça veut dire qui ça ça veut dire que ou pral gon problème énorme de délinquance juvénile ou pral gon problème de famille qui beaucoup plus disloquée faut gon côté que gon met de l'administration judiciaire une politique de la famille ou pas capable une politique de la famille parce que société ou pral gen hein, c'est pas société qui a dit tête qui ça me veut venir justement faut gon ligne directrice et n'a pas dans pile pays qui sorti à droite ou bien à gauche prend du temps pour garder ça sociologue yo te gen temps prévoir dans 10-20 ans ça que psychologue yo te prévoit ça historien yo fait et ça politique yo fait et puis son bagage simple et l'op l'île dans le temps et vous sourit alors et ceci sous permet moi ça plus fasciné c'est l'op l'île l'histoire du cinéma aux États-Unis côté que dit la politique entre même nan causer musique entertainment pour qui ça parce que dit mais côté société en hier mais côté ne pas venir ma bon exemple simple Hollywood montre des femmes au foyer et dans les années 50 et au fur et à mesure film y a changé sans que société américaine n'a pas changé il y aurait à projeter dans le temps
yon lot type de famille, yon lot type de femme, ko remen, ko pa remen, même seulement entre vous, qui exemple que même entertainment, même la musique et les arts prend pour yon guidon société. D'anticipation. Donc c'est toute entité qui lui-même façonne société. Mais nous-mêmes, c'est toujours comme tant que pompier, c'est le cabri de la sortie et vous y fermez barrière. Alors, peut-être que mon autre problème qui est très sérieux, parce que nous avons parlé tout à l'heure de divorce, qui est un gros cas de dislocation de famille et qui a une grosse influence sur Timonio. Généralement, dans le divorce, nous sommes capables de dire chaque tout élément, yo, et que ce soit maman ou papa, il y a tendance pour refaire vie et le ça, pendant qu'il y a refaire vie, donc Timonio, yo gen moi allons l'autre famille avec lui vient reconstituer l'autre famille ça n'est des familles recomposées là côté ti moun nan obligé pour n'y a là à adapter à trait de caractère on l'autre monde que le pas jamais vivre avec et fort souvent yo gen dans pour rebeller contre l'autre entité ça qui est en train de venir composer famille sans compter l'autre problème qu'on gagne avec l'autre petite dehors que l'autre monde ça déjà gagne. Dans le cas où on rencontre déjà, est-ce que ça a tout, n'est pas favorisé, ça n'a rien question de délinquance ou bien agressivité avec les jeunes? Énormément, énormément. Et surtout, le problème qu'on a, c'est que souvent, les parents ont uniquement pensé à propre pa yo. Ils n'ont pas pensé avec Timon Yoto. Quoique, en pile dans le couple que moi se vois, ils m'ont toujours dit, et ils ont témoigné, ils m'ont dit, si on a pris ensemble, pas ensemble pour Timon. Rete ensemble pour nous deux d'abord et pour Timon. Et puis, ils ont regardé, ils m'ont dit, non, si on est ensemble pour Timon a toujours un problème parce que la réalité, que les papes grandissent dans un foyer qui gagne entente. D'abord, résoudre le problème. Non? D'abord, regarder comment nous avons fonctionné. Parce que si le couple a fonctionné bien, la coulée de source que Timoun ça a vu jouer un résultat. Yo. Par contre, lorsque le divorce est trop simple, et on dit même famille qui fondée par le concubinage, lorsque casser famille, ça, séparation, ça tellement simple, et puis pas un bras qui vient dire non. Faut qu'on réfléchisse avec Timoun Sayo ou bien recomposition. Et nous ne pouvons pas parler de violence conjugale, de bon père ça par rapport avec Timoun Sayo, de belle mère ça par rapport avec Timoun Sayo, de Timoun qui vini, de Timoun en domesticité en dedans même quand il papa yo, sont gros problèmes. Donc, pour me résumer, oui, il cause violence et il cause fugue. Timoun a quitté Kaila et l'œil pas quitté Kaila. Li prend cocaïne, li enceinte nan Kaila, li gen violence, l'ap sorti, d'ailleurs dit ou pas maman c'est belle même mouye, 16, 17, 18, 20 ans, li sorti n'importe le vle, et puis c'est le peut-être la police relé, c'est le peut-être on zam tiré, c'est le peut-être yon enceinte vini, c'est le ça, mais parfois il est déjà trop tard. Alors la question des fonds de recomposer, juge Noura, est-ce que ça a intervenu? Oui, mais peut-être ça, il n'y a pas besoin de tout, il n'y a pas de consultation en amont. Le plus souvent, tout le monde est victime de violences sexuelles. Le plus souvent, il y a quitté Kaila parce qu'il n'y a pas voulu mettre toute question par lieu dehors. En pile là-dedans, il y a une enceinte pour mon monde dans Kaila. Parfois, c'est beau-père là. Parfois, c'est l'autre petit monde qui vient dans Kaila. L'autre frère et petit oui, papa. Oui, l'autre petit monde qui est dans Kaila ou bien beau-père là. Le plus souvent, c'est ça que toujours fait quitter Kaila. Et là, quitter Kaila, parfois, il est tombé dans l'autre bagage qui est plus grave. Je dis, il est dans la rue, il est entré dans la prostitution, que je ne pas j'en voulais. Et petit monde, ça a parti toute vie avec des troubles. Peut-être c'est vous-même qui a plus en tant que psychologue qui a dit comment mon sait est capable venir bah qu'on est sauver tête puis devant mais qui pas jamais sauver tête puis devant qui toujours était dans trouble jusqu'à ce que mourir. Alors dernière émission hein, pas oublier thématique que n'a prêté à soi c'est qui Jean Louis reconstruire famille pour nous permettre que Timon yo gon pi bon demain. Dernière question, vraiment dernière question, c'est thème là justement qui Jean Louis reconstruire famille, je veux dire nous même sont dit reconstruire famille pour premier bagage c'est garder côté de qui bon bagage que nous avons transféré au 21e siècle parce que je ne crois pas que c'est tout bagage qui était fait dans l'est dans année avant yo que réalité sociale aujourd'hui et politique nous capable changer. Donc c'est garder côté de garder côté ni aujourd'hui et pour toucher aspect psychologique yo mais tout aspect politique yo. Côté nous voulons aller et pour nous connaître côté nous voulons aller et c'est là nous connaître côté nous voulons aller et pour qui ça nous voulons aller côté nous voulons aller parce qu'en pile fois on a regardé l'autre côté yo et puis nous dit mais côté l'autre pays ça yo aller bon question pour nous poser tête nous côté yo hier est-ce que c'est idéal ça que nous avons voulu. Donc c'est
chita pour nous garder côté nous teye qui s'en ka transférer côté nous voulons aller à partir de côté nous voulons aller pour nous travailler sous lui et travailler ça encore une fois faut qu'il fait à la base depuis moun sa parle décider pour fond un foyer pour commencer travailler avec lui monter de différents outils en dans l'école yo que côté que yo ka fait ça en média yo côté que yo ka fait ça pour capable bien en société plus solide et puis pour nous garder là non parler de maman papa mais tout pour nous mais mettons accent sous ti moun yo voyons jet sous ti moun yo yon ti moun ki gen trouble en dans l'école premier réflexe pour moun gagner c'est pas juste voyer ti moun nan dehors et pour dire moi renvoyer ti moun ça parce que son ti moun ki désordre ça ka passer la caille et le ça ou capable voir un regard sous ti moun ça pour bon accompagnement avec lui et toute l'autre entité de socialisation yo pour voir un jet sous lui parce que nous toujours dit que l'état faible si n'a prétendre pour l'état super fort l'état pas gagne ken pays encore pour le diriger donc c'est garder différentes entités que capable renforcer pour ti moun yo et pour famille yo même capable venir pidjam la famille c'est premier espace de socialisation pour ti moun yo pour permettre que justement yo capable intégrer espace social là et vinn des citoyens nous capable dit non seulement effectif mais également efficace dans travail pour aider construire un pays bon demain juge Nora Amilcar Jean-François qui gens pour nous reconstruire famille yo pour nous permettre ti moun yo bon demain eh ben faut l'état prendre mettre créer quelques structures par exemple au moins au point de vue politique faut t'a commencer par mettre même un secrétaire d'état si c'est pour ministère de l'enfance et de la famille et puis faut code de la famille là prévoit même si le code là pas sorti mais faut gagner quelques autres textes qui pour sortir tout et puis c'est pas sorti seulement pour pas appliquer parce que nous gagne loi qui dit faut tout le monde voyer tout le monde l'école depuis sous responsabilité sous pas faire mais sanction va en prison faut appliquer loi ça qui gagne dit c'est parce que pas gagne structure pas gagne ceci loi là appliquer tout depuis ou à l'école ou qu'arriver loin pays a plein monde qui concerne famille distoqué parce que grand pile monde qui parle l'école nous comme ça c'est l'éducation qui va le faire nous développer faut nous gagner des travailleurs sociaux mettre deux comme si plutôt des travailleurs familiaux qui t'a pour contrôler en dans l'école est-ce que tout monde ça maltraité est-ce qu'elle blessé qui est-ce qui parle l'école fait des signalements média yo tout yo gagne un rôle pas pour jouer faut média yo pas poster des images qui pas montrer sous des jours favorables comme si vol banditisme mensonge des bagages parce que c'est ça nous rempile que des moments dans nuit ou conseil des bagages qui passé yo pas favorable pour tout monde yo pas favorable pour tout monde donc nous gagne en pile bagages pour nous faire pour nous capable construire famille mais faut nous commencer à la base là c'est tout monde depuis nous commencer fait tout monde aller bien yo gagne des soins de santé yo gagne éducation yo gagne environnement sécuritaire donc moun sa vini un adulte responsable et chaque fois pays ou gen des adultes responsables si tout moun jam nan pays a jam tout tout moun pa envie courir quitter pays a pour parti très bien ouais et ben Haïti 360 c'était dernier moment émission hein? Reconstruire la famille pour permettre que petit monde gon pi bon demain c'est une tâche qui non seulement incombe à l'état mais également à nous mêmes tout acteurs dans la société civile là nous mêmes tout citoyens faut que nous comprenions que dans la construction l'histoire que nous toujours parler dans l'émission là la famille sont un maillon important dans action sa activité de construction de l'histoire n'a bien pour nous continuer à construire l'histoire dans l'émission pour la Haïti 360 mais c'est dans l'autre édition bye bye tout le monde.